Bienvenue pour cette rencontre estivale d'Autour. Alors, vous connaissez un petit peu les motivations de ces interventions. La compagnie des guides de Saint-Gervais, c'est une centaine de guides répartis entre deux bureaux, un au Contamine, un à Saint-Gervais. Et on a un fonds de solidarité qui s'appelle la Caisse du Secours. Et on organise des petites manifestations de ce type pour justement remplir, je dirais, nos caisses de secours. Alors c'est surtout pour essayer d'aider les familles de guides qui ont été blessées au cours de l'été, au cours de leur activité. Et c'est aussi pour faire jouer la solidarité montagnarde, donc aider les familles endeuillées. Et aussi on fait des actions au profit de populations montagnardes défavorisées, comme par exemple un tremblement de terre au Népal ou d'autres problèmes divers. Donc on organise ces petites rencontres avec les guides. Généralement, il y a une formule un peu toute faite où c'est l'historique de la compagnie des guides. Et je me suis dit qu'on l'avait déjà répété de nombreuses fois et qu'il était temps de se lancer dans une nouvelle aventure. Alors aujourd'hui, on voulait parler un petit peu des premières ascensions dans le Val Montjoie. Alors pourquoi on a réfléchi à ce sujet avec les filles du patrimoine? Parce qu'on s'est dit que dans la vallée de Chamonix, les premières des sommets ont été beaucoup médiatisées et sont très connues. Et aujourd'hui, on a des sommets qui sont sympathiques dans le Val Montjoie, qui fondent un petit peu en ce moment. Mais on ne connaît pas, en fait, les premières ascensions. Alors, on va essayer. Alors, c'est un sujet relativement ennuyeux, parce que c'est une forme de dictionnaire, une date, un nom, une voix. Alors, je vais essayer de sortir un peu de ce schéma de collection de papillons, de dictionnaire, pour vous raconter un petit peu les perceptions des premières à l'époque, dans la vallée, dans les Alpes en général, et notamment autour de certains sommets. Donc le Val Montjoie, pour les gens qui sont en vacances, c'est les communes de Saint-Gervais et des Contamines. Enfin, peut-être que bientôt ce ne sera plus qu'une seule commune, on ne sait pas. Mais il y a trois villages de cœur, je dirais, Saint-Nicolas, les Contamines et Saint-Gervais, donc. Et un massif qui est centré légèrement rive droite du Mont-Blanc, avec des sommets prestigieux comme les Dômes de Miage, l'Aiguille de Bionasset, et qui sont principalement répartis, à part Bionasset et le Mont-Blanc, sur justement le Haut-Val Montjoie, les Contamines, donc avec le bassin de Trélatête, qui regroupe la grande majorité des sommets. Les premières de ces sommets ont été peu connues, non pas parce qu'elles ont été réalisées par de mauvais guides ou de mauvais alpinistes, tout simplement c'est parce qu'à l'époque, la vallée était beaucoup moins médiatisée que celle de Chamonix. Donc dans ces premières ascensions, on a avant tout avant de passer vraiment à l'énumération des sommets et puis aux grandes premières, je vais revenir sur des aspects sociaux et géographiques. Et on se rend compte, en étudiant les archives, qu'on a quand même beaucoup de problèmes, on a quand même eu pas mal de problèmes au cours de l'histoire pour savoir vraiment qui étaient les premiers à être montés au sommet d'une montagne. Alors l'histoire a faussé à certains moments, aujourd'hui on est presque certain de la majeure partie des sommets, a été faussée par le rapport social et le rapport de l'époque. Je vais m'expliquer alors. Au XVIIIe siècle, on vit dans une société qui est très différente de la nôtre, qui est divisée en trois ordres. La Révolution française n'a pas eu lieu, et même dans les États de Savoie où résident Saint-Gervais et le Mont-Blanc, on est une société qui est structurée autour de plusieurs ordres, donc le tiers-État, le clergé et la noblesse. Et les premières ascensions du Mont, notamment pour le Mont-Blanc, s'inscrivent dans un cadre social. Donc, avant 1792, on a un rapport entre la noblesse et les roturiers. Donc, par exemple, le meilleur exemple, c'est la première ascension du Mont Blanc, faite par Paccard et Badelin. Alors aujourd'hui, on a toujours tendance à mettre en avant le guide Jacques Balma, qui est l'homme du Mont Blanc, qui a gagné son surnom. Mais ce qu'il faut voir à l'époque, c'est que c'était le docteur Paccard qui avait... Alors on ne peut pas parler de médiatisation à l'époque, mais qui avait reçu les honneurs de Chamonix et qui était l'homme connu. Parce que déjà, il avait un statut social, hein, comme nombreux docteurs. Il avait un statut social supérieur à son guide, parce qu'à l'époque, le métier de guide était un métier d'appoint pour des agriculteurs ou pour des terriens.
Ce même exploit de la première ascension du Mont Blanc a été très vite, donc l'année d'après, en 1787, a été masqué par l'ascension de Monsieur Horace Bénédict de Saussure, donc, qui était un homme très important à Genève, passionné donc, par la réussite de l'ascension du Mont Blanc. D'ailleurs, il était très jaloux du docteur Paccard et de Jacques Balmat d'avoir réussi avant lui. Et il va embaucher Jacques Balmat pour faire son ascension du Mont Blanc, qui va être la deuxième. Et à l'époque, dans les médias de l'époque, principalement les journaux et le bouche à oreille, dans les cours européennes, c'est l'ascension d'Horace Bénédict de Saussure qui va primer sur celle du docteur Paccard et de Jacques Balmat. Parce que à l'époque, il y a un certain rapport à la noblesse et à la notoriété en fonction de son rang. Et bien sûr, des gens modestes comme Jacques Balmat, qui était des paysans, ne peuvent pas avoir le même aura dans les cours européennes que M. Horace Bénédict de Saussure, qui était réputé être un des plus riches genevois de l'époque. Donc les premières ascensions ont vraiment été gênées par les structures sociales de leur temps. Alors vous allez me dire, après la Révolution française, on est tous égaux, tout s'arrête. Qu'on soit un simple petit guide des pèlerins ou des montamines, on a autant de notoriété à réussir la première ascension d'un sommet. Et bien pas forcément, parce que bon, l'histoire met du temps à se mettre en marche, et l'égalité a mis du temps à s'imposer aussi. Et je vais citer comme deuxième exemple, toujours sur le Mont Blanc, l'ascension de Marie Paradis. Donc je rappelle Marie Paradis qui est née au hameau de Beaulieu à Saint-Gervais, d'une mère Saint-Gervelaine qui vient d'une famille Vian et d'un père des Ouches Paradis. On pense même que la famille Paradis est originaire de Bionacel. Mais ça c'est beaucoup plus vieux. Et cette brave Marie Paradis, elle va être traînée justement par Jacques Balmat et ses frères au sommet du Mont Blanc, un petit peu contre son gré. Elle va réussir dans des conditions difficiles, l'ascension du Mont Blanc, où elle va raconter qu'elle soufflait, qu'elle avait le mal de l'altitude, qu'elle en avait tellement marre qu'elle avait dit à Jacques Balmat « Laissez-moi ici, allez-vous-en, mettez-moi dans une crevasse, j'en ai marre. » Elle a dit ça en patois, alors je vous l'ai dit en français hein, parce que je ne suis pas sûr d'être très bon en patois. Et donc cette brave Marie du Mont Blanc, comme on va l'appeler, bah, elle va redescendre à Chamonix, aux Ouches, où elle avait une petite buvette. Et puis, comme lui a dit Jacques Balmat, bah, maintenant tu pourras récolter quelques piécettes en racontant ton histoire au Mont Blanc, et ça te permettra de gagner 2-3 sous. Donc pour l'exploit, cette Marie Paradis au sommet du Mont Blanc, donc début du 19e siècle, c'est quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, à Saint-Gervais, on est relativement fiers, et je vous rappelle que l'esplanade et l'école s'appellent Marie Paradis. Mais à l'époque, ça passe totalement inaperçu. Pourquoi ça passe totalement inaperçu? Parce que l'ascension de Marie Paradis va être masquée par l'ascension d'Henriette d'Angeville. En 1838, et Henriette d'Angeville est une grande dame de l'époque. Alors, bien sûr, à l'époque, on n'est plus dans une société d'ordre, mais certains historiens marxistes diront qu'on est dans une société de classe, où il y a un rapport entre les travailleurs et puis une bourgeoisie de l'époque. Et là, on retombe dans une idée de prestige, et c'est Madame Henriette d'Angeville qui va être surnommée la fiancée du Mont Blanc. Donc, elle va ravir un petit peu le succès à Marie Paradis, à tel point qu'elle va se faire hisser par ses guides au sommet du Mont Blanc sur leurs épaules pour être plus haut que Marie avait été. Donc déjà, ça donne un petit peu le ton et l'ambiance. Et à la fin de la... Donc elle va justement compter ses exploits, ses ascensions. Et ces gens de la haute société, qu'ils soient aristocrates ou bourgeois, vont avoir un atout sur nos ancêtres paysans comme Marie Paradis ou Jacques Balmat ou même Monsieur Paccard, qui était simplement un coq de village, comme on disait à l'époque. C'est le côté scientifique. Ils vont présenter leur première, en fait, comme une première sportive à l'époque, même si le terme n'existe pas, une première d'aventure, mais aussi une première scientifique que les autres n'avaient pas forcément. Marie Paradis n'a pas monté de baromètre au sommet du Mont Blanc comme Monsieur de Saussure, ou n'a pas mesuré le bleu du ciel. Donc toutes ces ambiances un petit peu de classe, de notoriété,
de statut social vont un petit peu fausser aussi les premières. Donc je trouvais qu'il était intéressant d'aborder ce sujet. Les premières au cours de l'histoire vont être sensiblement, vont être très importantes à un moment clé de l'histoire de l'alpinisme qu'on appelle l'âge d'or de l'alpinisme. Alors, l'âge d'or de l'alpinisme, on a fêté les 150 ans il n'y a pas très longtemps, c'était en 1865, et c'est à peu près à cette période qu'on va inventer l'alpinisme en tant que sport. Donc avant cette période, on considère l'alpinisme plutôt comme une aventure à but contemplatif ou scientifique, donc comme je vous ai expliqué avec M. de Saussure. À partir de cette période, ce sont les Anglais qui vont introduire l'idée de sport, la bourgeoisie britannique et aussi la bourgeoisie genevoise, bercée par le protestantisme, a développé une industrie. Les proto-industries du 19e siècle, qu'on connaît, et ce qui va leur permettre de se dégager du temps, d'épargner un petit peu de l'argent, et ils vont transposer le modèle sportif qu'ils peuvent avoir dans leur ville. Souvenez-vous de Cambridge, une course d'aviron, qui existe toujours dans les grandes écoles, qui est un signe de bourgeoisie pour les Britanniques. Ils vont transposer cette vision du sport à l'alpinisme. Et c'est ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle l'âge d'or de l'alpiniste. On va commencer à vouloir gravir les sommets par différentes voies et dans un but vraiment sportif, sans emmener d'appareil de mesure et d'appareil pour prendre des informations scientifiques. Et c'est aux alentours de ces périodes que la majorité des sommets de plus de 4000, notamment les voies normales, vont être ouvertes. Et là, on se rend compte qu'il y a très peu d'incidence géographique sur les premières ascensions. On pourrait tenter de dire, bon, bah, les guides de Saint-Gervais vont ouvrir tout ce qui est dans le Val-en-Jouan, les guides de Chamonix vont ouvrir tout ce qui est autour d'Argentière, et ainsi de suite jusqu'au Valais suisse. Et déjà, on se rend compte que pour ces premières, beaucoup de grimpeurs britanniques vont s'entourer de guides, et pas forcément de guides locaux. Alors, ce qui est assez surprenant, alors qu'à l'époque, on est très ancré sur son terroir, peut-être plus encore qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, généralement, les gens qui viennent au Mont-Blanc prennent des guides de Saint-Gervais et les gens qui vont au Cervin prennent des guides de Zermatt. Et bien à l'époque, on fonctionne sur la réputation et bon nombre des premières dans la vallée de Chamonix, sur certains massifs comme au Grand Paradis, vont être réalisées par des alpinistes anglais avec leurs guides privés, qui sont des guides pas forcément originaires de l'endroit où se situe le sommet. Alors l'exemple plus marquant que je peux vous donner de tête, pensez à Michel Croz qui va accompagner Wilper sur différents sommets ou Charles Hudson sur différents sommets et qui va réaliser des premiers en tant que guide de Chamonix, par exemple à la Grande Casse, alors qu'on s'attendrait plutôt à voir la Grande Casse ouverte par des guides de la Vanoise. L'exemple qui a fait grincer des dents, c'est l'exemple aussi du Grand Paradis où c'est une cordée chamoniard, enfin des guides chamoniards avec leurs clients qui vont faire la première du Grand Paradis. Et on décline l'exemple jusqu'à l'aiguille de Bionassay, où pendant que les Saint-Germains et les Chamonix se tirent dans les mollets, c'est une équipe de guides suisses qui vont réussir la première. Donc on a, pour ces premières ascensions, même dans le Val-en-Jouan, on a beaucoup moins d'ancrage géographique qu'on pourrait penser. Donc voilà, je vous ai replacé un petit peu pour éviter de tomber dans le dictionnariat du... Frédéric Mollard passe le col de Miage en 1849 et ainsi de suite. Ça permettait de donner une certaine perspective à l'ambiance sociale et politique de l'époque et aussi au mouvement des professionnels et à la vision des sommets. Pensez bien que M. Wimper voulait avant tout réussir la première de ses sommets et avant tout être encordé avec un guide qu'il connaissait, avec qui il partageait une affinité technique, une affinité de l'ascension. D'ailleurs, c'est ce qui va lui poser problème pour l'ascension de la Verte, parce que son guide va être engagé par un autre de ses concurrents. Et donc, on est déjà dans une logique de rapport professionnel pour les premières ascensions, et qui est différent d'un rapport tout simplement touristique, où j'arrive dans le village, je vais au bureau des guides du coin, et on donne le paysan diplômé qui va m'emmener. Donc il y a vraiment déjà une démarche sportive.
Donc je vais revenir un petit peu sur le Val-Montjoie pour vous parler des premières ascensions. Alors je vais découper ça en plusieurs parties, notamment par massif. Alors on a des sommets relativement connus, mais les premières sont très peu connues. Donc je vais commencer par le massif de Miage, et puis ensuite je vais enchaîner un petit peu sur le massif de Trélatête, donc pour vous parler un petit peu des premières. Donc dans le massif de Miage, les guides ont longtemps réfléchi à développer le tourisme. C'était un endroit très agro-pastoral qui a fait la richesse du Val-Montjoie. Et très vite, entouré de cette belle barrière de montagne qui était le hameau de Miage, les guides se sont dit qu'il serait intéressant de développer des circuits par étapes pour pouvoir guider au mieux les touristes. Et c'est ce qu'on a défini dans notre livre avec Dominique Potard sous le terme de système classique d'ascension. Donc des systèmes où on développe des étapes pour arriver à un sommet. Donc par exemple, dans le Vallon de Miage, les guides vont développer le système d'ascension qu'on a appelé de Miage, où des gorges de la Gruve jusqu'au sommet de la Bionacelle, il y a une succession de refuges qui leur permettent de s'arrêter et de se restaurer, et aussi de faire consommer les touristes. Et donc du coup, c'est l'invention du tout compris avant l'heure. Les premiers à avoir pensé à cette idée, c'est la famille Mollard de la Villette. Alors c'est pas la même famille que les nombreux Mollard des Contamines, sont des Mollard de Saint-Gervais. Apparemment, il n'y a pas de lien de parenté. Et donc cette famille Mollard de la Villette va donner de nombreux guides. Le plus ancien, c'est Frédéric Mollard. Frédéric Mollard, il va justement pouvoir passer le col de Durier en 1849. Et c'est lui qui va mettre un petit peu à la mode ce secteur avec cette première ascension. Donc 1849, il arrive à aller jusqu'à l'endroit où se trouve le refuge de Durier, ce qui est pour aujourd'hui facile, hein, bien que ça s'est quand même relativement dégradé avec le réchauffement climatique. Mais pour l'époque, ça a été perçu comme un exploit. Alors, on s'est rendu compte très vite qu'il n'avait pas été le premier, mais qu'il avait réussi justement à son niveau à bien communiquer sur cette première ascension. Il y a de nombreux récits légendaires, et d'ailleurs je vous conseille un ouvrage d'Hubert Bessin qui avait été publié dans un recueil de la Société de la Val d'Isère, donc c'est la Société d'Histoire de Tarentaise, où justement il expliquait dans les récits légendaires du Val-Montjoie qu'il y avait des informations qui expliquaient que les gens de Saint-Gervais allaient à la messe à Courmayeur en passant par le col et par Durier. Et on s'est rendu compte que ces récits légendaires étaient basés sur des récits qui avaient vraiment existé. Et les alpagistes de Miage traversaient, alors à l'époque, on pense de la fin du Moyen-Âge jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on n'en est pas sûr, hein, je pense qu'il y a encore des recherches à faire, qui traversaient pour aller à la messe à Courmayeur. J'ai retrouvé, pour corroborer, pour un petit peu étayer ce propos, j'ai retrouvé dans les archives de la mairie de Saint-Gervais, il y a un acte où il parle d'un secours qui a dû se dérouler sous le Premier Empire, ça devait être en 1808, je pense, où justement les guides de Saint-Gervais vont, enfin, les paysans de l'époque, parce qu'ils ne sont pas encore guides, improvisés guides, vont secourir des voyageurs de Courmayeur, justement derrière Durier, parce qu'il y en a un qui est tombé dans une crevasse. Donc on pense que la légende est basée sur quand même quelque chose de réel. Il y a un autre fait légende, qui n'est pas forcément légendaire, mais on a peu de preuves. Lors de la fuite des nobles de Savoie en 1793-92, suite à l'invasion de la France, pareil, un autre récit un petit peu mythique dit que un curé et un noble ont traversé le col de Durier avec 10 000 livres d'or pour aller se réfugier dans la vallée d'Aoste, à l'époque où elle n'avait pas encore été envahie par les troupes de la Révolution française. Donc cette première ascension du col de Miage par Frédéric Mollard en 1848 va ouvrir un petit peu le bastion à d'autres ascensions. Alors les Dômes de Miage, qui restent un sommet quand même relativement mythique pour notre vallée, partagée entre les Contamines et Saint-Gervais, elles connaissent sa première ascension en 1858.
1858, et c'est toujours ce Frédéric Mollard qui va arriver au bout de cette traversée. Donc il part du hameau de la Villette et il part passer la nuit au refuge de Trélatête. À l'époque, le refuge de Trélatête est un petit peu le seul, ce n'est pas vraiment un refuge, hein, c'est plus une auberge, et c'est le seul refuge du coin qui peut accueillir des alpinistes, et puis c'est l'endroit où on peut se loger le plus haut dans le Vanonjon, dans la vallée. Donc il dort là-bas, il est accompagné d'un certain Joseph Jacquemot des Contamines, et donc ils vont tenter l'ascension des Dômes de Miage, en compagnie de leur client, M. Coleman. Alors, à l'origine, M. Coleman est le client de Frédéric Mollard, et c'est M. Jacquemot qui était présent au refuge, qui va les accompagner un petit peu en porteur, et pour donner la main, un petit peu comme le ferait un aspirant guide de nos jours. Donc ils vont faire une ascension qui est relativement classique, ils vont gravir l'aiguille de la Bérangère, redescendre jusqu'au col de la Bérangère et gravir le dôme. Alors pour certains, qui est le premier dôme, et pour d'autres, qui est le dernier. Donc lors de cette ascension, ils vont tailler des marches, donc c'est un indice assez intéressant, ce qui nous raconte qu'à l'époque, c'est pas si plat que ça, comme on aurait pu le penser, et qu'il y avait déjà de la glace. Donc 1858, première ascension des Dômes de Miage, par Joseph Jacquemot, Frédéric Mollard et leur client Coleman. Donc là, le secteur va être relativement peu populaire. La Bérangère va être réalisée la même année au mois d'août par des alpinistes amateurs qui sont guidés par un chasseur de chamois. L'histoire ne nous a pas donné le nom, mais sans grand retentissement. C'est la première simplement ascension de l'aiguille de la Bérangère, sans aller jusqu'au Dôme de Miage. Et le nom de ces alpinistes, c'est Théodore Hart et Delphin Fournereau. Donc août 1858. Ce secteur donc, va vraiment se développer à partir de 1879. À partir de 1879, on pense que c'est la deuxième ascension, du moins c'est la deuxième ascension un petit peu connue du secteur, qui va être faite par Joseph Auguste Octenier. Je pense que vous le connaissez, c'est un des fondateurs de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais. C'est un personnage très important dans notre histoire, qui a été longtemps oublié, qu'on a redécouvert au cours des 150 ans de la Compagnie en 2014, et il a grandement participé à la fondation de la Compagnie. Et donc lui, il va répéter l'aventure sur les Dômes de Miage, et en utilisant un autre itinéraire, un itinéraire que les guides ont pensé remettre au bout du jour ces dernières années, c'est l'itinéraire du glacier d'Armancette. Donc une aventure un petit peu plus difficile, parce que ben, pour le coup, il n'y a pas de refuge. Donc ils vont partir, je crois qu'ils partent de la Gruve eux aussi, et ils vont monter jusqu'à la pointe de Cauvanière, et ils vont bivouaquer là-bas. Alors il est accompagné d'un client du club alpin qui s'appelle Monsieur Keller. Et à partir de ce bivouac, alors ce qu'il faut souligner, c'est que Joseph Auguste Octenier, le guide fondateur de la compagnie, à l'époque il est déjà âgé, il a 63 ans. Donc 63 ans, dormir dans les myrtilliers, il faut quand même être déjà conscient. Et donc ils vont réussir l'ascension du Dôme de Miage, donc en passant par le glacier d'Armancette. Et c'est à partir de ce moment-là que le sommet va devenir populaire. Et les premières ascensions vont se faire généralement par ce glacier d'Armancette, visible depuis la vallée, qui à l'époque descendait très bas. Hein. Je pense qu'on peut estimer qu'il descendait au niveau du Creux du Temps, pour les gens qui connaissent un petit peu le coin, un petit, au-dessus du lac d'Armancette en fait. Et donc ça permettait de faire une grande rampe, facile, directement on était sur le glacier. Et ensuite, on rejoignait facilement les sommets. Et on n'était pas dans une logique de traversée comme on peut avoir à l'heure actuelle. D'ailleurs, la première traversée va être faite par ce monsieur Joseph Jacquemot, que j'ai évoqué tout à l'heure, la première traversée. Et l'idée, c'était d'aller au sommet le plus haut, cette belle pyramide qui culmine à 3663 mètres, je crois, et qu'on appelle vulgairement le troisième dôme.
Donc beau sommet que c'est Dôme de Miage, puis c'est un sommet un petit peu conciliant, vu que c'est partagé en Saint-Gervais et Contamine, c'est sympathique. Alors bien sûr, les Dômes de Miage, il y en a Rhett, il y a le glacier d'Armancette, mais il y a aussi cette fameuse face qu'on voit depuis le hameau Miage. Et cette face, on peut la décomposer en plusieurs parties. Alors, elle est segmentée avec deux arêtes. Voilà, imaginez-vous sur la terrasse de Sylvain Orset en train de manger une omelette. Vous avez deux arêtes. L'arête que vous voyez qui est située à votre gauche s'appelle l'arête Métrier. Et il y a une autre arête un petit peu moins connue, plutôt sur la droite, qui s'appelle l'arête des Blessés. Et au milieu, il y avait un glacier jusqu'il y a quelques années, jusque dans les années 90, je dirais, qui s'appelle le Rideau. Et donc voilà, la face est fragmentée en deux arêtes et en un grand rideau. Et donc cette arête Métrier, elle s'appelle l'arête Métrier, parce que justement c'est M. Henri Métrier qui en 1902 a réussi la première ascension. Et donc ils ont fait cette première ascension en partant des chalets de Miage. Et donc ils sont entourés de deux guides de Saint-Gervais, M. François Carcet et M. Jean Bayette. Jean Bayette, c'était un guide assez renommé à l'époque, notamment parce que c'est lui qui a formé les guides de la famille Broisa, qui est au Mont-Pacard et qui était une grande famille de guides, enfin qui est toujours, hein, il y a des représentants dans la salle d'ailleurs, et qui a donné, cette famille Broisa a donné en quatre générations entre 12 et 14 guides. Donc c'est une famille très prolixe pour les guides. Et les premiers Broisins ont commencé à faire de la montagne avec Jean Bayette, qui avait des biens aussi au Mont-Pacard et qui était cousin avec eux. Donc ils ont fait la première arête de Métrier, 1902, le 23 août exactement. Alors le 23 août, ils sont partis des chalets de Miage et ils ont fait l'ascension de l'arête depuis le point le plus bas jusqu'au sommet en rencontrant que de la neige. Et c'était tellement enneigé qu'ils ont pu faire l'ascension en aller-retour. Donc ils sont montés, ils sont redescendus par le même itinéraire, le 23 août. Là, je crois qu'on est le 12 août, ou le 13 août, pardon. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de neige sur l'arête Métrier. Donc vous pouvez comparer, hein, 1902, 2019, voilà. À l'extrême, alors toujours, on se situe sur la terrasse de la famille Orser, refuge de Miage. Et là, vous allez regarder à l'extrême droite. À l'extrême droite, vous allez dire qu'il y a le glacier d'Armancette, effectivement. Et un petit peu avant ce glacier d'Armancette, il y a une petite face qui, ces dernières années, était surmontée d'une énorme corniche. Il y avait un énorme, on peut parler à un sérac, c'était une énorme corniche. Et donc, ce secteur, on appelle ça la voie Chaplan. Alors la voie Chaplan, du nom du premier ouvreur, André Chaplan, qui a ouvert cette voie le 5 juillet 1937 avec l'écrivain Georges Saunier. Donc pour les amateurs de littérature, je pense que ça vous parle. La famille Chaplan, donc une grande famille de guides de Saint-Gervais, notamment les deux jumeaux André et Ernest. Et André Chaplan a une longue carrière, puisqu'Ernest est mort cette même année, je crois, en 1937. Et donc, il avait dormi au chalet de Miage, et d'ailleurs, il avait dormi dans le chalet de mon arrière-grand-père, Gaby Pelou. Et ils étaient partis des chalets de Miage, avec l'écrivain Georges Saunier, et ils avaient taillé des marches dans la partie sommitale, où ils ont contourné le Grand Champignon, et ça a donné cette voie Chaplan, qui aujourd'hui n'est plus praticable. Il reste un mince filet de glace et le reste, c'est un amas de cailloux. Donc on se rend compte que ce secteur a quand même été bien ouvert. Il y a un autre exploit aussi que je vais vous dire. Après, je vais passer un petit peu plus brièvement sur les autres épisodes. En 1950, Paul Dujon et Gilbert Blanc, deux guides de Saint-Gervais, ouvrent la face nord-ouest, qui arrive au sommet du Grand Dôme, donc le troisième dôme depuis les Dômes de Miage. Et à l'époque, c'est un exploit parce qu'ils vont cheminer à droite du glacier suspendu et le long d'une grosse langue de glace, et c'est très important. Alors il y a plein d'autres voies qui vont être ouvertes dans cette face, et
Notamment, l'intégrale du Rideau va être ouverte par M. Gabarou, et elle a été répétée par deux jeunes de Saint-Gervais cet hiver. Et là, elle a été possible justement du fait du réchauffement climatique, parce que ce rideau des Dômes de Miage, la face centrale entre les deux arêtes, était barré par une énorme barre de sérac. Et jusque dans les années 80, c'était réalisable, mais il fallait contourner cette barre de sérac par la métrier. Et avec la fonte des glaciers, l'hiver, on peut réaliser la directissime comme à l'origine. Alors, je vais faire une petite mention aussi sur une ouverture qui va faire plaisir à certains membres du public. C'est le 3 août 1957. Jean-Denis et M. Grillon ouvrent la voie nord-nord-ouest du sommet 3670. Alors c'est un itinéraire glaciaire haut de 1000 mètres. Ils vont partir depuis le glacier de Kobané. Et je voulais le signaler parce que les petits-enfants sont dans la salle. Alors, on va passer au secteur... Alors, je vais parler un petit peu de la Bionassa, parce que la Bionassa, c'est quand même assez particulier, parce que c'est un des rares sommets où la première a été faite par la face nord et non par l'arbre normal. Donc, je regarde un peu mes notes, hein, je me souviens plus de tout par cœur, hein. Je suis vieilli. Hein. Je m'en fous, le livre, c'est moi qui l'ai écrit, je peux pomper dedans, il n'y a pas de problème aussi. Et donc, l'aiguille... On disait donc l'aiguille de Bionassa, trois infos là-dessus. Donc, elle va ouvrir, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, cette aiguille de Bionassa, elle va faire partie d'un enjeu relativement important à Saint-Gervais, parce que le guide Rosset, qui était aussi un des fondateurs de la compagnie, qui a créé un des premiers refuges sur l'itinéraire du Mont-Blanc en 1856, juste à droite du couloir du Goûter, qui s'appelle le Bec à l'Oiseau, du nom de son client, et qui ne peut pas être considéré comme le premier refuge du Goûter, mais qui est la première cabane, du moins la deuxième après la cabane des Rhônes, sur l'itinéraire du Mont-Blanc. Et c'est M. Rosset, qui est un grand chasseur de chamois, qui va avoir une notoriété assez importante dans la vallée, parce qu'il va faire partie des francs-tireurs du Mont-Blanc, un groupe un petit peu paramilitaire qui va s'occuper des Prussiens à ces gens Paris. Et en tant que chasseur de chamois, il devient un grand militaire dans une troupe d'élite, justement de tireurs d'élite. Et donc il va être renommé grâce à sa carrière militaire. Et en revenant au pays, il va s'atteler justement à l'aiguille de Bionassa et il va essayer de tenter diverses ascensions. Par toutes les arêtes, même l'arête qui vient du Dôme du Goûter, sans grande réussite. Et justement, c'est par la face nord qu'en 1865, un groupe d'Anglais du nom de Buxton, Groove, MacDonald vont réussir à gravir cette face nord-ouest de l'aiguille de Bionassa sous la direction du guide de Chamonix, Payot. Alors ils vont tenter au départ du glacier de Bionassa, lorsqu'on pourrait aujourd'hui appeler le Nid d'Aigle. Ils vont sûrement bivouaquer à cet endroit. En remontant le glacier de Bionassa, qui était praticable à l'époque, ils vont se retrouver au pied de la face nord. Et là, ils vont tenter l'ascension de cette face nord. Ce qu'il faut bien plonger dans le contexte de l'époque, c'est qu'à l'époque, les pointes avant n'étaient pas inventées. Donc les pointes avant, c'est les deux lames qui nous permettent d'ancrer au niveau des orteils le crampon. On avait principalement des crampons à 10 pointes qui étaient simplement sous la pointe des pieds. Donc ça limitait l'ascension des pentes raides, ce qui voulait dire que dès que c'était un peu raide ou un petit peu en glace, le guide devait tailler des marches. Vous pouvez vous rappeler l'exemple justement de Michel Croc, qui va tailler, je crois, plus de 300 marches pour la réalisation des grands couloirs de la Grande Casse. Et donc du coup, les glaciéristes de l'époque, donc les guides qui arpentaient principalement les sommets enneigés, les sommets englacés, plein de glace, étaient de solides gaillards parce que justement il fallait tailler des marches avec ces grands piolets en bois pour pouvoir faire un petit replat, pour pouvoir mettre le pied parce que vous ne pouvez pas fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. Vous avez tous en tête les images de cascades de glace où on est simplement pendu sur deux petits crochets au niveau des orteils. Donc ce monsieur Payot va faire un peu grincer les dents des Saint-Gervelins parce qu'il va réussir donc cette première ascension
du glacis de la face nord de la Bionassia, qui est la première ascension de l'aiguille. Il arrive au sommet de la face nord, et là, le brouillard arrive et couvre toute l'arête. Et donc, dans son récit, il dit qu'ils ont continué à califourchon toute la cordée avec ses clients britanniques, jusqu'à arriver au sommet. Il ne savait pas vraiment qu'il était au sommet, mais il en a déduit cela, parce que derrière, ça redescendait, tellement la purée de pois avait englobé l'arête sommitale. Alors, en redescendant, il va raconter ça, qu'il a fait la première, et puis forcément, les guides de Saint-Gervais, un petit peu jaloux, notamment ce monsieur Rosset, vont lui poser des questions. Donc, il explique qu'il a eu le brouillard. Et à Saint-Gervais, donc, le chamoniard n'a pas convaincu, et la grande majorité des guides pensaient à l'époque qu'il avait menti et qu'il n'avait pas été jusqu'au sommet. Ce qui a relancé une rivalité à l'époque entre Saint-Gervais et Chamonix, notamment sous l'impulsion de ce monsieur Édouard Rosset, qui était un petit peu jaloux de la réussite du guide Paillot. Alors ça ne va pas servir les intérêts des Français, parce que pendant que les Saint-Gervais et les Chamoniards se tirent un petit peu dans les crampons, voilà, en 1888, donc c'est une équipée cette fois-ci suisse, c'est Gröber, Kaspar et Maurer et Jones, qui vont réussir l'arête sud. Donc l'arête sud, c'est l'itinéraire classique comme on la connaît aujourd'hui. Donc ils vont reprendre l'idée de la famille Wallard, donc Miage, le col du Tricot, Durier, et de Durier de faire l'ascension jusqu'au sommet de la Bionassia. Alors ensuite, de nombreuses variantes ont été faites. Et puis face à la déconfiture des guides de Saint-Gervais sur cette face nord en 1865, il va falloir attendre le mauvais caractère de Léon Orset dans les années 20. Alors exactement en 1926, alors Léon va dire que il va interpréter un peu l'histoire à sa guise en disant que les charognards n'ont pas vraiment été au sommet. Et il va refaire la première de la face nord avec son porteur Louis de Lachat. Et puis le client, Pierre Langlois, qui était un client éminent du club alpin. Et donc ils vont faire la deuxième, hein, soyons honnêtes, du moins laissons le bénéfice du doute au chamoniard pour une fois, la deuxième ascension de cette face nord, et notamment dans la revue, je crois qu'elle s'appelle La Montagne, la revue du club alpin, il existe un récit détaillé de M. Langlois qui raconte l'ascension de Léon Orset. Donc c'est un petit peu Léon Orset qui va remettre au goût du jour cette face nord, et la mode va vraiment venir de la médiatisation d'un autre exploit réalisé en 1932 par son frère Georges Orset. Georges Orset, accompagné de son client M. Rimbaud, c'était un petit peu la course pour fêter son diplôme de guide, parce que Georges Orset, il a eu son guide en 1932, donc son diplôme. Et il va réaliser l'ascension de la face nord, mais il va redescendre par le même itinéraire. Donc la face nord en aller-retour, c'est aujourd'hui, pour les alpinistes, ça nous paraît impossible, parce que c'est simplement une pente de glace, de rochers, de cercles. Et à l'époque, l'enneigement était tel qu'ils ont pu redescendre par le même itinéraire. Alors c'est quand même intéressant de voir au travers de ces premières, l'évolution climatique, et puis aussi l'évolution du matériel. On peut aujourd'hui dire qu'on est défavorisé d'un point de vue des conditions. La montagne, sans vouloir être trop pessimiste, est plus difficile aujourd'hui pour les alpinistes parce que les conditions se sont beaucoup dégradées. Et à l'inverse, on peut dire que le matériel est beaucoup plus favorable de nos jours qu'il l'était pour les grimpeurs comme Léon ou comme Georges Orset dans les années 20, dans les années 30. D'ailleurs, en aparté, je voudrais quand même vous rappelez que Georges Orset, c'est le guide honoré cette année par la Compagnie des Guides. Donc chaque année, la Compagnie des Guides rend hommage à un guide qui a œuvré pour la structure en faisant peindre son portrait. Et cette année, Georges Orset, c'est le guide qui est rentré dans la collection. Et pour la petite histoire, il a été peint par son petit-fils Pierre Hazer. Donc je ne vais pas rentrer dans les diverses variantes du secteur de la Bionassée.
On va revenir, pour faire plaisir à nos amis contaminards, dans le haut Valmontjoie sauvage. Donc dans le massif de Trélatête, et puis le secteur du Tondur. Et puis ensuite, je vais vous parler après de quelques petites ascensions à l'étranger ou dans le massif du Mont-Blanc qui ont marqué l'histoire de la compagnie. Et puis derrière, on fera un petit débat pour répondre à vos questions sur, l'histoire de l'alpinisme ou l'histoire des guides, ou tout ce que vous voulez. Donc pour le massif de Trélatête, bien sûr, c'est tout ce qui se situe sur la commune des Contamines-Montjoie, une grande partie dans la réserve. C'est un formidable terrain de jeu. Et le sommet, un des sommets emblématiques de du secteur, donc c'est la Lex Blanche, ou la Lée Blanche pour certains. C'est un sommet qui est caractéristique parce qu'il est situé donc sur les aiguilles de Trélatête et il se symbolise sous forme de pyramide, donc avec une très jolie forme. Et donc il a fait envie à de nombreux alpinistes. Et la première ascension de ce sommet est réalisée en 1909 par Alphonse Estivin. Alphonse Estivin, c'est un guide de Saint-Gervais très renommé pour l'époque. Il était cordonnier au village des Prats. Et puis il a fait, au contact de la famille de Ségogne, il a fait beaucoup d'alpinisme et il avait un gros réseau de clientèle. Et l'histoire l'a un petit peu oublié, mais aujourd'hui on se rend compte dans les archives que c'est un guide d'une notoriété nationale, voire internationale pour l'époque. Et il se rapprochait beaucoup des guides de Chamonix qui étaient les plus prestigieux au 19e siècle, au début du 20e. Et donc ce sommet de la Lex Blanche, 3555 mètres, est réalisé par l'arête ouest, en compagnie de Frédéric Mollard, donc pas celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, et M. Kreuss, un client. Et donc c'est une belle réussite pour l'époque. Autre sommet très important du secteur, donc c'est le secteur du Mont Tondu. Donc le secteur du Mont Tondu est un petit peu particulier parce qu'il a été très prisé. Il est notamment, il a été l'enjeu en fait d'une certaine rivalité entre les guides qui voulaient réaliser la première ascension connue et un groupe d'alpinistes amateurs du club alpin, les frères Puiseux, qui justement eux voulaient faire la première sans guide. Alors, ce qui est assez marrant de constater, c'est que je vais vous lire un petit peu le passage sur ce secteur, c'est que ces frères Puiseux vont justement, le 6 septembre 1879, tenter depuis le refuge de Trélatête l'ascension. Alors, l'ascension sans guide, tout est relatif. Hein, parce que déjà, ils partent à 4h30 du matin du refuge, et puis ça ne se passe pas très bien. Un des frères tombe dans une crevasse, et le deuxième frère est obligé d'aller au refuge chercher les guides pour sortir son cadet. Donc, pour une ascension sans guide, déjà, il y a mieux. Donc, ils repartent, alors ils continuent leur aventure, et ils arrivent au sommet, alors ils rédigent dans les annales du Cap, ils ont fait une première et que c'était très intéressant avec le descriptif et ils décrivent l'endroit du sommet où ils disent qu'au sommet il y a un cairn qui a sûrement été fait par des chasseurs de chamois. Donc une première de non locaux et sans guide, c'est quand même quelque chose. Alors, de quoi je vais pouvoir vous parler maintenant, des choses un peu intéressantes. Alors, il y a énormément de listes, il y a énormément de sous-sommets, les têtes de Bélavane, des choses comme ça, beaucoup moins connues. Mais pour vous donner un exemple, les têtes de Bélavane, aujourd'hui, très peu de personnes vont réaliser ces ascensions. Début du 20e, c'est des sommets qui ont été un petit peu à la mode, et notamment suite à la première ascension en 1899, par ce fameux guide Estivin, et qui va réussir les différentes arêtes, et par M. Bosfield, qui était un alpiniste relativement connu à l'époque. Donc on se rend compte que même pour des sommets, alors sans vouloir avec ces personnes qui sont peu populaires et qui n'étaient pas des sommets majeurs à l'époque, on a comme un intérêt des grands alpinistes.
Je vais vous donner un autre exemple de grand alpiniste qui vient dans ce secteur. Je vais vous retrouver ça très rapidement. C'est au fond du vallon du bonhomme. Voilà, voilà, exactement. Tout à fait, oui. C'est dans ce secteur, tout à fait, oui. Et ça va avoir un petit peu un retentissement qui est quand même important, mais pas tant que ça. Par exemple, la même chose pour le col du Tondu, hein, qui va être ouvert par M. Tuquette et le guide Mollard en 1861, et qui vont notamment pousser jusqu'à l'arête ouest l'aiguille des Lanchettes. Donc on se rend compte que même des secteurs qui sont pour l'époque moins réputés que le Mont Rose, que les vallées de Chamonix, on a des alpinistes importants qui viennent dans la région. Alors pour les premières du Mont Blanc, je pense que vous les connaissez, hein, les premières ascensions du Mont Blanc, je parle du versant Saint-Gervelin. Alors, comme je vous ai expliqué en début de discours, on a eu du mal à savoir un petit peu la vérité sur la première ascension de l'itinéraire Saint-Gervelin du Mont Blanc. L'histoire a retenu qu'en 1855, la cordée britannique de Kennedy et de Hudson vont réaliser l'ascension du Mont Blanc sans guide depuis, pas depuis Bionassay, mais depuis le Mont Lachin, en fait ils vont bivouaquer, jusqu'au sommet du Dôme du Goûter. Ils vont traverser sous Valleau pour rejoindre ce qu'on appelle le col du Dôme, pour rejoindre le versant chamoniard, escalader le mur de la côte pour réaliser le sommet. Donc, c'est ce que l'histoire a retenu, notamment au travers d'un livre qui en français s'appelle où il y a une volonté, il y a un chemin. Je ne la fais pas en anglais, mais ça se trouve sur Internet. Et donc ce livre va populariser ce qu'on appelle aujourd'hui la voie royale du Mont Blanc, et donc va donner une certaine notoriété à ces Anglais, notamment à Charles Hudson, qui va apparaître comme un concurrent de Whymper, notamment à la Verte, en plein âge d'or de l'alpinisme. Alors il faut quand même modérer un petit peu l'ascension sans guide, parce que les guides vont les accompagner jusqu'au Dôme du Goûter, notamment pour porter leur matériel. Et puis il faut modérer aussi la première ascension du Mont Blanc, parce que du coup l'arête des Bosses n'est pas ouverte en 1855, lors de leur ascension. Elle va l'être un petit peu plus tard, en 1857, mais à la descente. Et vraiment la grande intégrale du Mont Blanc va être réalisé en 1861 par Tuquette et des guides suisses, notamment Anderegg, un guide relativement connu, qui vont faire la grande intégrale comme on connaît aujourd'hui. Donc ça a pris du temps à vaincre cette première ascension du Mont Blanc. Ces Anglais donc sont retenus dans les livres d'histoire, mais on s'est rendu compte ces dernières années que là, comme pour un petit peu Chamonix, le docteur Paccard et Balmaille de Saussure, comme pour la Bionassay, il y avait des doutes, pour le Mont Blanc, on a un certain doute, c'est qu'on s'est rendu compte que ce fameux Joseph Auguste Octenier aurait réalisé l'ascension avant les Britanniques, mais dans une discrétion la plus totale, sans médiatisation. Alors comment on s'en est rendu compte? On s'en est rendu compte lors d'une lettre adressée par un collègue britannique à Charles Hudson et à sa cordée, notamment avec M. Kennedy, où l'ami britannique raconte que lui aussi, il a fait de la montagne dans la région, et que pour leur entreprise au Mont Blanc en 1855, il serait intéressant qu'ils emploient M. Octenier, qui est un guide, et qui a réalisé, lui, déjà l'ascension du Mont Blanc. Ah. Voilà. Et donc cette lettre... cette lettre, elle est d'ailleurs même citée dans les rééditions du livre d'Hudson et de Kennedy. Et donc, elle nous met le doute, en fait, sur le fait que les Anglais aient réalisé la première ascension. Monsieur Octenier, qui a été un des fondateurs de la compagnie, qui a été quelqu'un qui a dynamisé l'itinéraire, qui a une notoriété internationale, qui a été à l'origine de la construction du premier refuge du Goûter, il paraît possible qu'il ait pu réaliser cette première ascension du Mont Blanc avant les Anglais, mais dans la discrétion la plus totale.
Donc on a toujours ce rapport un petit peu de médiatisation, et c'est des choses qui existent encore aujourd'hui hein, dans l'alpinisme. Je me souviens d'une histoire, c'était des professeurs de l'ENSA qui avaient ouvert une voie en ski de pentraide à l'aiguille de Bionassay il y a quelques années. Et donc ils avaient fait un très bel article dans le Dauphiné Libéré. Et puis, en fait, la première a été faite par un contaminard qui s'appelle Laurent Bibolet, qui est très discret, et qui les a appelés, limite en s'excusant, excusez-moi, mais je crois que c'est quand même moi qui ai fait la première. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, il y a toujours un petit peu dans l'histoire, on a toujours dit, les guides de Saint-Gervais, c'est un peu les poulies d'or de l'alpinisme, toujours seconde, la compagnie oubliée, et même dans les ascensions, il y a quand même une certaine forme de, peut-être pas de discrétion, hein, mais de peu de médiatisation qui fait que l'opinion publique ou alors les non-spécialistes ont tendance à un petit peu oublier les grandes premières. Et on pense que, on est presque sûr, c'est ce qui est arrivé à M. Octenier. Et on est assez fiers d'avoir retrouvé d'ailleurs les lettres qui permettent un petit peu de rappeler tout ça. Voilà. Et je vais juste maintenant vous parler, alors revenir à des périodes un petit peu plus récentes, peut-être pour vous dire des choses qui vous rappellent des souvenirs. La première de Chamonix-Zermatt est réalisée en 1911 par Lubin Broisa, qui était un guide honoré il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le premier guide de Saint-Gervais qui va réaliser cette traversée. Et l'idée va être reprise par Léon Lourcet, qui lui va réaliser dans les années 20 la première traversée des Alpes de Nice à Saint-Gervais, et notamment qui va donner lieu à une certaine mode, et où certains guides de Saint-Gervais vont spécialiser dans le Nice-Chamonix, parce qu'on va vendre sous cette formule-là, c'est beaucoup plus populaire que Nice-Saint-Gervais. Donc il y a une traversée en ski de rando des Alpes, et qui à l'époque se faisait presque ski au pied à 100%. Les guides de Saint-Gervais sont exportés dans d'autres régions du massif, hein, avec des gens qui ont un passé d'alpiniste très important, comme Maurice Lenoir, qui vont faire la première ascension en 1961 de l'arête nord-ouest des Courtes. Et des gens que vous connaissez aujourd'hui vont suivre leur exemple. En 1967, Robert Manon va ouvrir une voie d'escalade dans les Aiguilles Rouges, qui s'appelle la Voie des Dalles, qui est toujours gravie aujourd'hui. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les alpinistes modernes de la compagnie, parce qu'il y en a beaucoup. Je voudrais quand même citer des grands noms, comme justement Michel Berruex, qui est disparu en 1983 malheureusement, qui lui va justement faire beaucoup de répétitions en hivernale dans le massif du Mont Blanc. Et justement, il va faire ce qu'il a appelé la fantastique traversée, c'est qu'il va traverser le massif du refuge du Couvert jusqu'au refuge de Trélatête. C'est quelque chose, c'est un bel enchaînement qui se fait toujours à l'heure actuelle. Maurice Lenoir, on a parlé de Maurice Lenoir pour son ouverture dans la vallée de Chamonix. Maurice Lenoir, vous le savez, il est originaire du sud de la France, c'est un des piliers du GHM, c'était un groupe de performance qui va dépendre du club alpin à l'heure actuelle, où justement on réunissait une élite pour ouvrir de voies de prestige. Et il va participer dans les années 50, notamment en 1951, à de nombreuses expéditions dans la cordillère des Andes, au Pérou, et notamment il va ouvrir le Nevado Pisco, un sommet qui est très populaire aujourd'hui. Et puis, qui va réussir aussi le sommet nord de l'Alpa Mayo, qui est une course très réputée encore à l'heure actuelle. Il est connu, Maurice, surtout aussi pour ses participations aux expéditions en Himalaya, et notamment au Janu. Il va faire partie des expéditions françaises, notamment au Janu. Il va ouvrir la voie à d'autres grimpeurs de la vallée. Et juste, je vais terminer là-dessus, je voudrais lui faire une petite dédicace, c'est qu'à la Compagnie des Guides, on a la chance d'avoir le 49e Français qui a gravi l'Everest, c'est Olivier Besson. Olivier Besson, il a un beau pédigré, hein,
génétique. Ses ancêtres descendent de la branche de Jacques Balma et du docteur Paccard pour l'alpinisme de Chamonix. Et puis, ils descendent de la branche d'Émile Allais de Megève pour le ski. Et donc, déjà, il y avait des prédispositions. Et il va réussir, au bout de 3 tentatives, l'ascension de l'Everest, avec une expédition amateur, avec des amis à lui. Et il va spécialiser notamment dans les expéditions lointaines. Et donc, il est le premier Français à avoir gravi l'Everest. Et donc, on est assez fiers, à la compagnie des guides, de l'avoir. Aujourd'hui, il y a eu des ouvertures, il y a toujours une volonté de première au sein de notre structure. Il y a toute une nouvelle génération autour de Michael Dubois, de Laurent Bibollet, qui font des expéditions au Pakistan, au Népal, et qui font des premières voies et qui ouvrent encore des voies, parce qu'il y a encore des sommets à ouvrir. Alors peut-être pas des sommets dans l'intégralité, mais du moins certains versants. Et c'est quelque chose qui est encore répandu à l'heure actuelle. Mais bien sûr, plus dans le massif du Mont Blanc, ou du moins c'est très limité, et encore moins dans notre Valongeois qui nous est si cher. Donc je vous remercie. Voilà, j'ai essayé de faire court, de parler un petit peu des sommets phares, de ne pas faire une collection de noms, de dates. Bon, j'espère que ça vous a plu, c'était une première. Je sais que c'est un peu lourd, un discours comme ça sans images, mais voilà, c'est difficile d'illustrer. Ces ascensions de 1890. Et je vais rendre la parole à Emma, et puis on va passer aux questions. Non, Emma, dis-moi. Bon, on va passer aux questions tout de suite. Voilà. Et,